Et franchement, le morceau là avec Kerry James, ça c'était vraiment quelque chose. Et même surtout à l'enregistrement. Ah oui. Parce ah ben bah, raconte-nous les anecdotes, c'est ce qu'on veut savoir. Ah bah parce, ouais. Qu'en fait, le truc c'est quoi? On savait pas ce qu'on allait faire comme titre. On savait pas si on allait faire. Ah, vous avez pas une idée, genre Non. Rien du tout. Je dis à Joe, ouais, fais écouter des prods. Donc on en choisit une. Et on commence à faire la première phrase. Au début, on sait pas. On fait les premières phrases et on fait le premier échange. On pensait que ça allait être une intro de son. On pensait qu'on allait ça allait être une intro de son avant que le morceau commence. Vous savez pas où vous y allez, quoi. Voilà. Et après, on dit quoi? Ah, viens, on continue comme ça, on fait tout le monde. On fait une embrouille entre deux gars, quoi. C'est généralement les meilleurs morceaux. Hein. Et genre, Joe, il était outré, il disait, mais qu'est-ce que vous allez faire un morceau comme ça? Qu'est-ce que vous racontez? Non, t'inquiète pas, on sait où on va, ça y est, on sait. Et ça veut dire quoi? On faisait une punchline, l'autre, il attendait d'autres ce qu'il allait dire. Ah, ok, c'est bon, t'as dit ça. Ah, c'était punchline par punchline? Punchline par punchline. C'était comme une vraie discussion. C'était comme Toi, t'écrivais pas ta partie dans ton coin, non, dans son non, coin. Non, on l'a fait. C'est vraiment un échange, quoi. On l'a fait en studio comme ça. Et même le truc au téléphone, Kerry, je me rappelle qu'il avait appelé OGB. Mmh. Il a dit, écoute, là, je suis en train de faire un morceau avec Soap. Tiens, il a appelé et c'est donc la conversation téléphonique qu'il a. Avec OGB? Avec OGB. C'est une vraie conversation téléphonique qu'on a mis dans le morceau. Dans le morceau, ouais. Allez, Planète Rap.